Chaque semaine, elle nous fait découvrir un nouvel animal de compagnie. Merci d'accueillir Sophie Tapie pour la belle élève. Ah, oh, les petites poules. Oh, bah alors. Ah, c'est gentil. Alors, c'est gentil d'avoir amené une poule. Bonjour, Sophie. Merci. C'est William et Scully, on dirait un épisode de Game of Thrones. C'est vrai, c'est un petit peu ça. Quoi, elles sont pas trop belles, mais pour elles sont très très belles. Elles sont trop mignonnes. Alors, on la va acheter. Bah voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais Thomas, tu fais toujours cet effet-là sur les animaux. Il a marqué son territoire. C'est incroyable. Il t'a chié tout le monde. Déjà la dernière fois, oui. Je vous présente Karl Lagerfeld. Alors, je pose quand même. Vous nous présentez chaque semaine les nouveaux animaux de compagnie. Il faut donc en conclure que ces poules sont des nouveaux animaux de compagnie. Exactement, il y a de plus en plus de Français qui possèdent des poules. Alors comme d'habitude, ça vient des États-Unis, c'est les États-Unis qui ont lancé la grande mode, avec des grandes stars, genre Tori Spelling qui avait sa poule à elle. Non, voilà, qui avait Coco. Mais si, exactement. Après, en France, on a Erika Moulet qui en a une aussi. Erika Moulet, ouais, elle a une poule. De Beverly Hills. Elle a un petit côté Donald Trump quand tu regardes. Ah non, n'insulte pas. C'est la coiffure devant. Mais pas du tout, c'est Karl Lagerfeld. Non, mais elle a une poule, d'accord, mais elle ne se promène pas dans la rue avec. Mais si, mais c'est un vrai animal de compagnie. Je vais t'expliquer après. Donc, ce sont des poules d'ornement. Ce n'est pas pour manger. Ça s'appelle des poules d'ornement. Ça fait quoi du coco vin, ça? Oh. Non, non, on n'écoute pas, ma chérie. À chaque fois, Rosine, elle veut bouffer les animaux que j'appelle. C'est joli, elle n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que c'est beau. Ah, non, normalement, c'est joli, les poules. Alors, par contre, bien réfléchir, encore une fois, ça vit quand même entre 10 et 12 ans. Ouais. Alors qu'on peut pas Attendez, Sophie, parce que là, encore une fois, je vous pose toujours la même question, mais puisque ce sont des animaux de compagnie, si on a un appartement, on ne peut pas avoir un. Non, pas un appartement. Oui, mon chéri, oui, mon sème d'amour. Non, pas dans un appartement. Ça, c'est soit un toit-terrasse ou un jardin. Mais si tu veux, il faut qu'elle puisse grappiller son petit gravillon pour remanger les petits gaillons. Si on a un petit jardin, on peut avoir une poupoule. Ouais, si on a un petit jardin, on peut avoir une cocotte, effectivement. Donc, ça coûte combien? Entre 20 et 40 euros. 20 et 40 euros. C'est bien, ça. Ah, c'est pas très cher, franchement. Ça vit combien de temps? Entre 10 et 12 ans. Et surtout qu'à l'entretien, ça coûte pas cher parce que tu donnes tes restes. Oui, 150 kilos de déchets, elles peuvent manger par an. Toutes tes épluchures, de carottes, des trucs, machin, tout. Et c'est hyper écologique. Mais oui, c'est une poule. Mais c'est une Sophie, enfin. Voilà, on mange pas de viande. On aime les poules. J'en ai une dizaine. C'est normal, des œufs, les poules, non? Oui, elles font des œufs. Elles font des œufs. Moi, je vis à la campagne. Ah, j'ai les chevaux. Regarde comme elle est belle, elle s'y bourrit. Est-ce que ça a une utilité, ce qu'il a là, ou pas? Non, mais c'est un petit coq. C'est un petit coq, c'est pour ça qu'elle a. Mais oui, c'est un petit monsieur, c'est Karl Lagerfeld. Lui, il ne fait pas des œufs. Non, lui, il ne fait pas des œufs, mais les poules font des œufs. Tu en as presque un œuf tous les deux jours, à peu près. Et les poules sont jolies ou c'est que les mâles? Pardon? Non, les poules, elles sont toutes fluffy. Bon, en fait, là, c'est des poules d'extérieur. On ne lui a pas fait un brushing, on a essayé, mais on n'a pas bien réussi. Mais en général, elles sont un peu plus fluffy que ça, tu vois, elles sont un peu plus jolies que ça. Et pour les enfants, c'est génial. C'est super gentil. C'est gentil. Ah, c'est trop mignon, les enfants, ils l'adorent. Regarde, j'ai une vidéo trop mignonne. Monsieur, elle est beaucoup trop mignonne. Très, très bien. Moi, je suis quand même très étonné. Je suis très étonné par ces nouveaux animaux de compagnie. Ça me passerait pas par la tête d'avoir une poule comme animal de compagnie. T'aimerais pas, Non, mais moi, je suis pas très à l'aise avec les animaux. J'ai un peu peur, moi. Mais moi aussi. Vous savez que j'ai peur là. Si je viens vers toi avec la poule, tu veux pas la toucher, Amir? Tu veux pas que je vienne te la montrer? Je peux, mais c'est à cause. Attention, Amir, vous prenez tout le risque. Vous avez les victoires de la musique. Dans 15 jours, Amir, attention. Il est trop mignon, mon petit Karl Lagerfeld. Ne le blessez pas. C'était Sophie Tapie avec les nouveaux animaux de compagnie. S'il vous plaît, bravo, ma chère Sophie.